Moi, Ephésus, je vais parler avec Ephestos pour faire un enfant avec le don de la curiosité. Ton prénom est Vendeur et j'ai un cadeau pour toi. Ah, mais c'est une boîte. Merci, c'est très joli et étrange aussi. Pas seulement ça, c'est aussi très spécial. Je veux en savoir plus, s'il te plaît, Zeus. Tu ne veux pas. Pourquoi, Zeus? Pourquoi? Tu sauras quand tout ouvre, mais pas Dieu. Ok, c'est vrai. Je veux ouvrir un peu, mais peut-être pas. Je ne sais pas quoi faire. Je veux ouvrir. L'espoir, c'est la dernière chose que vous perdez. Bonjour, Madame Proserpine. Qu'est-ce qui t'amène ici, simple mortel? S'il vous plaît, Madame, est-ce que vous pouvez rendre la vie de mon Eurydice? Ah oui, pauvre Hélène. Elle racontera ce pas de l'humain et de l'humain. Oui, pour ça, je suis ici. Pour demander si vous pouvez retourner sa vie. Non, je ne veux pas faire ça. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, madame, je suis descendue de l'Eroge à des enfers. Je suis arrivée devant Charon et j'insistais pour passer l'autre rive du Styx. Et maintenant, je vous demandais que vous acceptez de retourner sa ville. Les choses que tu as faites pour elle sont émouvantes. J'accepte. Merci beaucoup, merci. Mais pendant le chemin, tu ne peux pas la regarder. Elle va aller derrière toi. J'accepte, madame, merci. Au revoir. Au revoir. Nous devons penser une façon de détruire les Troyens. J'ai une idée. Nous pouvons construire un immense cheval de bois. Nous nous réfugions dans les chevaux et quand ils sont en train de dormir, nous attaquons. Nous allons l'arrêter. Nous organisons une grande fête pour célébrer. Nous pouvons danser, chanter, manger et boire beaucoup. C'est la nuit, nous allons à la ville. Ouh là là, encore nous pour notre victoire. Nous allons à l'intérieur de notre ville. Nous allons dormir. Maintenant, c'est le moment. Nous attaquons. Bonjour, monsieur Minot. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu m'appelles? Ah, bien. Mon architecte de l'art. Elle fait de la construction de labyrinthe. Le labyrinthe Minotaur. Oui, ce n'est pas un problème. Après, Dédale est testé à sortir du labyrinthe. Quand Minot est informé, et il est puni. Et ils sont en prison dans le labyrinthe. Mon père, qu'est-ce que tu fais? Je suis bête. J'ai essayé à sortir du labyrinthe. Mais maintenant, nous devons sortir d'ici. Oui, mais c'est difficile. Cette construction, c'est pour enfermer le Minotaur. Tu es Minotaur? C'est fantastique. Oh, voilà, par terre. Je crois que c'est le fil de tes pièces d'entrée. Il passe des jours. Et ils sont libres. Mais Dédale est fou et il observe la nature. Mon fil Icar. J'observe la nature et je collecte des plumes. Oh, mon père, tu fais de sel. Avant, il peut réagir et il fixe une autre paire d'ailes sur son dos.
ils vont et Kika tombe. Et son père voit laisser sur le. Il comprend son erreur. Alors, il est puni par les dieux. Et il est jugé et exilé d'Athènes. Dieu doit trouver la tête de la grande Méduse. C'est un monstre horrible qui a un regard qui chasse les hommes en pierre. Et Polydète est mort dans le. Je vais chez les Grecs pour aider Persée. Pour t'aider, les trois bienfaits dont Soloé te donne ses sandales scellées. Oh, fantastique! Un sac magique qui contient de millions de choses. Oh, magnifique! Et un casque pour être invisible. D'accord, mais le monstre peut me changer en pierre. Ah, ce n'est pas un problème. Prends ce bébé qui ne se casse pas. Et la déesse Athéna te donne ce bouclier pour ne pas être transformé en pierre. D'accord. Je suis préparé pour tuer la tête de la grande Méduse. Ah, je t'ai trouvé. Grâce à toutes les choses que tu m'as données, j'ai tué la tête de la profonde Méduse et j'ai sauvé la princesse Andromède. Je vais me marier avec elle. Et c'est fini. Et c'est fini. Héracle, viens ici. Oui, Aristée, qu'est-ce que tu veux? Tu as presque terminé tes 10 travaux. Il ne te reste plus qu'un. Le dernier est toujours le plus difficile. Et quel est ce travail? Tu dois me rapporter les chiens à toi d'être. T'es Cerber. Où est Cerber? Il habite aux enfers. C'est le gardien aux enfers. Mais bon, d'accord. Mais c'est très difficile. Toutes les personnes qui ont essayé sont mortes. Oui, mais si tu ne fais pas, tu ne seras pas parvenu. Bon, je vais faire le dernier travail. Eurysthée, regarde! Je t'apporte le Cerbère, le chien à trois têtes. Il est horrible. Ramonte ces chiens aux enfers. Tu as perdu. Et c'est fini? C'est fini. Moi, je suis Prometteur, et je suis le Dieu, et je suis le bienfaiteur de Dieu. Parce que je trompe, ils. Et pour préparer la nourriture de Dieu, je sacrifie un bœuf. Dans une part, je me laisse entrailler et les bœufs sur la peau appétissante. Et sur l'autre part, je couvre les os et avec une graisse blanche et belle. Je vais à Zeus. Zeus, quelle part tu préfères? Je préfère le pas de la reine. Ouais, ma part seulement a de la reine et de l'eau. Parce que le pas de la reine est sur la chair. Ah, zut! Je vais punir à tout et à tous les mortels. Oh non, je vais au ciel avec les dieux.
Je vais pour lui attacher un arbre et je vais pour lui attacher un arbre et un aigle et mange et tu vois. Salut. Salut. C'est fini. Nous maintenons la table avec ceux et tous les deux. J'ai appris beaucoup de secrets. Je suis heureux. Je mange avec Tantalo et les autres deux. Je sais qu'il est une bonne personne. Ouf! Combien de secrets que j'ai m'informé. Et j'ai volé le nectar. Et l'ambroisie et je vais distribuer à mes amis. Je ne comprends pas. Ici, manque l'ambroisie et le nectar. Qui en vole? Il aura été Tantalo. Il ne sera pas aussi bonne personne, je pense. Maintenant, pour récompenser qu'ils m'ont invité à manger avec eux. Je prépare un festin. Mais j'ai un problème. Je n'ai pas nourriture pour beaucoup de personnes. Je ne pense pas plus. J'ai trouvé Pénélope et je mettrai à le dieu. Qui détail a Tantalo d'habiter au lieu? Oh mon dieu! Et qui dieu et mange l'épaule d'une personne, ma mère? Je ressemble à tous les dieux pour savoir qui l'a tué. Oui, j'ai tué Pénélope. J'ai la sirveuse comme repas. Quoi? Mon Dieu! Et reconstruire les corps de Pénélope et mettre les corps d'une personne. Et c'est puni, tu es attaché à une arbre et tu ne pouvais pas et voir ni manger. C'est fini. C'est fini. Et toi? Moi? Oui, toi. Qu'est-ce qu'il arrive? Tu es sur mon territoire. C'est mon isle. Les humains ne peuvent pas rentrer ici. Comment tu arrives? Et je ne rentre pas. Seulement, je naufrage sur le côte de cette île. Oui, oui, mais tu es sur mon territoire. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te tuer. Et est-ce que je peux avoir une chance? Qu'est-ce que tu peux faire? Et je voudrais boire un peu de vin avec toi. Avec moi? Et oui. Ok, c'est bien. Viens ici. Oui, merci. Et mon père
et nous les bien nous pouvons voir et toutes les choses. Et je vais te venir. Tu dois voir et tu dois voler cette pierre verte et le sommet de la montagne. Oui, je dois le faire, il est trop facile. Quoi? Je ne le fais pas. Quoi? Tu ne me dis pas que la rosée s'en a pris? Ha ha. Tu n'as pas de chance de soleil. C'est le Minotaure. J'ai trouvé ça parce que c'est un événement horrible. Toi, tu es faible. Pourtant, j'ai trouvé le Minotaure. Je peux rentrer au ville avec ma famille. Fini. C'est fini. Je dois obtenir la tasson d'or. Est-ce que tu cherches la tasson d'or? Oui, j'ai besoin de la tasson d'or pour détrôner le demi-frère de mon père, Pélia. Je suis la fille du roi Éther. Et quels travaux as-tu? Les travaux sont d'enterrer des taureaux de bronze et labourer avec un champ et semer les dents d'un travail. Je te donne mon aide pour ces travaux. Je suis magicienne et je peux t'aider avec ces travaux avec ma magie et je peux faire les travaux à l'instant. Voilà. Wow. Merci beaucoup. Maintenant, je suis le roi et je vais détrôner Pélia. C'est fini. Cesse embrasse Amalthée quand il quitte l'île de Crète pour diriger les dieux sur les monts Olympiques. Bonjour, monsieur Théos. Bonjour, ma chère Amalthée. Je dois te communiquer une chose très importante. Quelle chose? Maintenant, je dois partir parce que je dois être le roi des dieux sur les monts Olympiques. Je vais être très bien. Je vais avoir bonne chance. Je vous remercie de prendre soin de moi. Et je vais mettre des vitres de et mon fils, je t'adore, je sais. Au revoir, ma très chère Amalthée. Au revoir, mon Dieu. C'est fini. C'est fini.